Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre un tour de magie avec trois cartes. Alors comment réaliser ce tour de magie? Donc il faut d'abord sélectionner les trois cartes du même jeu. Et donc on va prendre par exemple les trois as. Donc on va les mettre face cachée, demander au spectateur d'en choisir un. Il peut mélanger le paquet avant de choisir un. Hop. Donc il va en prendre un purement au hasard, par exemple celui-ci, donc je vais le montrer à la caméra. Hop, il en prend connaissance et vous le redonne. Là, vous le remettez dans le paquet. Hop, il peut mélanger les cartes. Peu importe. Vous reprenez le paquet, vous regardez les cartes et vous devinez que le spectateur a pris l'as de pique. Alors, comment j'ai fait ce tour de magie? Alors, je vais vous expliquer. On va remarquer que là, le pique a un sens. Le haut vers le haut en haut et le bas en bas. Donc, on va tout mettre dans le même sens, donc le cœur dans le bon sens et le trèfle dans le bon sens. Donc on va retourner les cartes, on peut demander au spectateur de les mélanger, il va en prendre une, hop, donc, je vais pas montrer laquelle c'est pour qu'on comprenne mieux le tour, il en prend connaissance, et là quand vous reprenez, il vous redonne la carte, et au moment de la remettre dans le paquet, vous la tournez, vous faites un demi-tour, vous reposez la carte sur le paquet, et il peut rebattre les cartes. Ensuite vous tournez le paquet et regardez les cartes et vous apercevez qu'il y a une carte à l'envers. Donc là c'est encore l'as de pique. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.